Et coucou tout le monde, c'est Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de Starbound Online. Aujourd'hui on va découvrir le trailer du KWPN que j'ai pas vu encore. Hier j'étais pas très bien, mais aujourd'hui on va le voir. Je sais que c'est demain qu'il arrive, mais bon, on va voir quand même maintenant la bande-annonce. Donc c'est parti. Hop là. Ok. Attends, on va baisser le volume parce que. Ouf. En vrai, ça m'a explosé les oreilles. Alors. Alors, on va retourner peut-être au début. Donc là, on a le début dans l'écurie de Steve. Il me semble. On voit toujours le frison de génération 2. D'ailleurs, l'écurie n'est pas faite, n'est pas nettoyée. Donc là, on a un peu le baie chocolat, j'ai l'impression. J'ai l'impression que dans leur vidéo, ils ont une espèce d'histoire. Et j'ai l'impression que la cavalière va faire son concours de dressage et tout. Elle le prépare et tout, elle a sa tenue de dressage. Là, il y a les autres qui l'attendent pour le concours. Et du coup, là, ils arrivent pour le concours de dressage. Par contre, l'équipement a l'air incroyable. Je crois pas qu'on l'a, hein. Je crois qu'on va peut-être l'avoir après. Les équipements sont incroyables. Celui-là, il est trop beau quand même. Il me fait penser à la même robe que les Lépisans, mais en mieux. Genre, j'aime trop le dégradé qu'ils ont fait sur le gris pommelé. Il est trop beau, le gris pommelé. Ah, ça doit être le cabré. Et le piaffé. Et là, du coup, on est plus au camp. Enfin. Orange Tarchan. Mais le gilet, il est beau aussi. Je sais pas si c'est crème ou crémello. Ou alors blanc, peut-être. Je sais pas s'il est blanc ou crémello, en fait. J'arrive pas trop à voir. L'alzan aussi, il est joli. Ils sont beaux, quand même, au niveau des robes. Franchement, ils sont incroyables. Là, on a l'alzan, on a le noir. Là, on a, je sais pas si c'est blanc ou crémello, mais je dirais peut-être plus crème, crémello. Et là, on a le. On dirait un peu un noir pangaré et tout. Là, je vois pas trop. On a plus un B. Là, il est là aussi, le crémello. Mais ils ont l'air. Oh, cette bride, elle est incroyable aussi. Là, on a une tenue à peu près de d'équitation classique. Là, on a la tenue western. Et on voit aussi les tenues de dressage. Cette tenue de dressage, elle est incroyable, par contre. Il me faudrait la même, mais au lieu que ça soit bleu, rose. Oh, ça serait trop stylé. Et la coupe en brosse, ça lui va trop bien. Il est trop mignon avec sa petite coupe en brosse, alors. Celui-là, je l'aime trop. Je crois que je suis en train d'hésiter avec soit le crémello, soit le gris pommelé. Oh, le gris pommelé, il est joli quand même. Ah, on verra peut-être demain, du coup, lequel je choisirai en jeu. On les verra en jeu. Par contre, ils sont trop beaux. Ils ont l'air d'avoir de bonnes allures, hein, franchement. Et ils sont là. Franchement, ils ont l'air incroyables. J'ai trop hâte. Et franchement, ils ont l'air super bien faits. J'ai vraiment trop hâte qu'ils sortent. Du coup, ils sortent demain 8 novembre. J'ai vraiment trop hâte. On fera un petit live mise à jour, comme d'habitude, vers 17-18h. Donc, ça y est, au rendez-vous. Et sur ce, on va finir cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo bande-annonce vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir lequel vous allez prendre. Lequel vous n'allez pas prendre, si vous allez prendre tous, etc. Franchement, j'ai hâte de savoir lequel vous allez prendre. Moi, j'hésite encore. J'hésite encore. On verra bien demain lequel je vais prendre. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bye bye tout le monde. Bisous.